C'est une soirée festive, au cours de laquelle le ministre de l'Éducation nationale a tenu à féliciter les lauréats du concours national des meilleurs élèves en présence de leurs parents. Alors, je voulais dire d'abord aux lauréats, nous sommes tous très fiers de vous parce que par le mérite, par votre travail, par votre rigueur, par votre discipline, nous avons tous été honorés, toute la communauté éducative, parce que chacun d'entre vous, nous le considérons comme nos propres enfants. Alors, lorsque vous avez été récompensés aujourd'hui à la présidence de la République, les moments que nous sommes étions très fiers. Le concours national des meilleurs élèves a tenu toutes ses promesses encore cette année. Une initiative bien appréciée par les apprenants. C'est un concours qui valorise la femme gabonaise, la jeune fille. Et aujourd'hui, j'en fais partie grâce à Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est un sentiment de profonde joie intérieure après ce couronnement qui est le résultat de la rigueur de mes parents auxquels je dédie ce sacre. Pour les parents d'élèves, ce concours est l'occasion d'encourager davantage les enfants à viser l'excellence. Je suis vraiment très émue et c'est une initiative que je ne peux qu'encourager le président de la République, chef de l'État et toute son équipe de cette initiative à promouvoir l'excellence. Et grâce à mon fils aujourd'hui, j'ai accès à la haute sphère de la République. C'est quelque chose à laquelle je n'avais jamais imaginé. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très émue. Cette initiative du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui vise à primer l'excellence, met en valeur le travail et les compétences des jeunes Gabonais, partant du primaire au secondaire.